Bien, bonsoir mesdames et messieurs, il est 20h02 pour être précis, mais on va se donner un petit quelques minutes supplémentaires pour attendre l'arrivée de nos collègues qui doivent être en bas. Oui. De toute façon, on va attendre un petit peu. Donc ça va être un conseil qui est un conseil à mono-question, enfin mono-point, question, j'en sais rien. On n'a pas d'autres points inscrits. Est-ce que quelqu'un est un expert en aéronautique ici pour nous dire quel est l'avion qui est affiché? On espère que c'est un Airbus A320 et pas un Boeing. Ils sont plus fiables. Enfin, je parle des Airbus. Bonsoir Xavier. Bonsoir Philippe, monsieur De Frit. Bonsoir monsieur Perrault, madame Portman. Qui manque-t-il encore qui était prévu être présent? Je sais que M. Tellman ne sera pas là, nous avait dit qu'il serait absent. Oui, d'accord, très bien. De notre côté, nous avons des... D'accord. Donc nous sommes au complet ou presque. Bon, si vous voulez bien, nous allons commencer par l'appel des conseillers, ce qui nous permettra d'ouvrir la séance du Conseil. Donc, je vais demander à Madame Léna Coco si elle veut bien procéder à l'appel des conseillers présents. Bonsoir à tous. Richard Trinquier. Françoise Fernandez. Gilles Garnier. Corinne Guyot. Florian Galland. Pascal Touly. Pierre Seguin. Présent. Catherine Rochard donne procuration à Enzo Matta. Dominique Boulet. Présent. Léna Coco, présente. Georges Oliveira d'Acosta. Présent. Stéphanie Gaspard. Absente. Xavier Nguyen. Présent. Karine Thieu. Présent. Enzo Matta. Présent. Sandrine Oliveira d'Acosta. Présent. Régis Chan. Kathleen Albertini donne procuration à Françoise Fernandez. Jean-Luc Touly. Wendy Longchamp donne procuration à Jean-Luc Touly. Frédéric Vansen donne procuration à Gilles Garnier. Jacqueline Laquet. Philippe De Fruyt. Émilie Portman. Présent. Cyril Tellman donne procuration à Olivier Perrault. Chantal Corinne-Winder. Roger Vino donne procuration à Émilie Portman. Bernadette Barbeau. Présent. Olivier Perrault. Bien, donc le quorum étant réuni, donc le Conseil peut valablement délibérer, mais nous allons commencer par redésigner le secrétaire de séance. Monsieur Touly se propose à secrétaire de séance comme d'habitude. Y a-t-il des intentions de vote? Pas d'abstention? Bon, à l'unanimité, donc Monsieur Touly, vous avez l'ordre du jour et vous pouvez faire procéder à l'élection des secrétaires adjoints. Voilà, nous proposons Mesdames Ardelier et Lebon. Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Et donc la première et la seule question à l'ordre du jour, la délibération sur la motion du Conseil municipal concernant le projet de plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aérodrome Paris-Orly, le PPBE. Rapporteur, monsieur le maire. Merci. Donc c'est une question qui n'a pas pu être inscrite au Conseil précédent parce que nous l'avions déjà programmé et quand les motions ont été préparées par l'ensemble des élus concernés, notamment une grande partie des élus de l'Essonne, pratiquement tous les parlementaires de l'Essonne se sont associés
a dénoncé ce PPBE, qui est un plan de prévention du bruit dans l'environnement, qui a été préparé en catimini, puisque, en principe, il doit faire l'objet, au cours de son élaboration, d'une concertation entre les élus, les associations et les riverains. Nous sommes en 2021. Ce plan était prévu pour être achevé il y a plus de 2 ans. Et nous sommes en cours d'exercice de ce PPEB, puisque les directives européennes prévoient que tous les 5 ans, le PPBE doit être revu. Donc ce PPBE est un rapport qui a été présenté par le préfet du Val-de-Marne à l'initiative de la DGAC pour la période de 2013-2025. Nous sommes actuellement en 2021, donc vous voyez qu'effectivement les dates sont largement dépassées. On peut se poser la question de savoir si ces propositions peuvent être d'actualité actuellement. Il vous a été donné comme information donc le déroulement de la phase du PPBE et notamment lors de la consultation du Conseil consultatif de l'environnement qui a eu lieu donc le mois dernier. Il vous a été communiqué à l'ensemble des conseillers également donc l'ensemble des documents. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué l'extrême flou de ces documents. Donc je ne reviendrai pas dessus. Simplement quelques points qui sont importants. Au niveau de notre commune, vous avez sous les yeux l'actuel PEB. Le PPBE est juste un rapport nécessaire à l'élaboration des règles concernant la protection du bruit et notamment l'élaboration du PEB. À ne pas confondre, ce sont deux choses totalement différentes. Le PEB a un statut réglementaire et détermine un certain nombre de zones exposées au bruit avec les contraintes qui y sont afférentes. Actuellement, le PEB de 2012 n'est pas appliqué sur notre règlement du PLU qui remonte à 2005. Dans le prochain PLU, donc, les zones qui sont représentées ici en rouge pour la zone A et la zone B sont les seules zones du PEB de 2012. La zone C en bleu est une zone réglementaire simplement opposable sur le document d'urbanisme. C'est juste pour votre compréhension, donc à la demande d'un certain nombre d'élus riverains et notamment sur le rapport du maire de Villeneuve-le-Roi, Didier Gonzalez, et l'intervention également du président de métropole de Paris, de Grand Paris. Donc ces zones ont été revues pour tenir compte effectivement des impacts et des études du bruit qui ont été faites, si bien que la zone C se voit plus étendue. En fait, il y a une diminution des zones A et des zones B, ce qui permet une constructibilité un petit peu plus grande sur la commune de Wissou. Or, cette disposition sont mises à mal dans le cadre du plan de prévention du bruit dans l'environnement. En effet, ce qui est demandé par les riverains, c'est d'abord de reprendre donc la notion précise du plan de prévention du bruit dans l'environnement. Il ne s'agit pas de créer des contraintes pour les habitations actuelles, mais de proposer un certain nombre de mesures permettant de prévenir le bruit dans l'environnement, et notamment les bruits aériens. Il avait été demandé notamment à ce que les créneaux, qui étaient de 250 000, soient ramenés à 200 000. Aujourd'hui, il y a sur les 250 000 créneaux, 220 000 sont utilisés, donc il n'y a pas de difficulté à entériner effectivement cette baisse de l'activité aérienne. Il n'a pas été pris en compte dans le PPBE donc, des turbopropulseurs à hélice non carénée, dont il va falloir réduire le bruit et les nuisances sonores. Il n'a pas été tenu compte également de l'existence des gros porteurs. Les notions de pic également doivent être revues. Comme vous le savez, donc, le niveau sonore qui est pris en compte, à la fois c'est le bruit maximum des différentes zones, c'est le bruit nocturne, et c'est le bruit également en cours d'exploitation.
et c'est une moyenne de ces trois éléments qui permettent de déterminer ces différentes zones. Or, dans le cas d'Orly, donc la partie nocturne du couvre-feu a été insuffisamment prise en compte. Il y a aussi un certain nombre de recommandations qui font partie des directives européennes doivent tenir compte ce PPBE, et notamment ce sont des travaux d'innovation à l'heure actuelle sur les nouveaux moteurs et qui n'a pas été prise en compte dans ce PPBE, qui avait donc plafonné donc un certain nombre d'utilisations des anciens appareils, voire l'interdiction sur la plateforme d'Orly. Depuis 2015, a été créé un fonds taxant tous les billets d'avion métropolitains, donc n'incluant pas la Corse et les pays outre-mer, et qui permet donc de financer donc les indemnisations concernant les bruits. On pense que ce fonds est de l'ordre de 180 millions par an, et qui n'a pas été pris en compte de la façon dont il serait utilisé. L'intervention du maire de Champlan, Christian Leclerc, nous a permis donc de rédiger cette motion qui a été diffusée à l'ensemble des communes et qui sont à peu près identiques dans leur formulation. Et notamment, la plus importante est le refus, bien évidemment, des futures zones que le PPBE propose d'instaurer. Je vous propose de regarder ce document, qui est le document suivant. Voilà, c'est un document graphique qui brille par son extrême flou. Il est totalement impossible de quantifier réellement les zonages. Même en agrandissant, on sait que de toutes les façons, elle est basée sur des mesures de bruit qui actuellement sont erronées, dénoncées en tout cas par la CNUSA. En bleu, vous avez donc le PEB actuel, c'est-à-dire celui de 2012. En jaune, vous avez l'extension de la zone C du PEB, donc qui impacte Vissous, qui ne se voit pas forcément très clairement sur ce graphique. Et puis la création d'une zone D. Cette zone D, qui figure en vert, est une zone sur laquelle il n'y a pas de mesure d'inconstructibilité, mais l'imposition de respect d'un certain nombre de mesures d'insonorisation qui feront l'objet d'un procès-verbal de réception lors de toutes les constructions neuves et qui vont impacter assez lourdement donc la construction. Ce nouveau secteur touche à peu près 50% du quartier Friboulli et des bivacs, et toucherait à peu près un tiers du quartier de Saint-Éloi et la quasi-totalité du quartier situé autour de la route de Montjean et des routes André-Thierry, des rues André-Thierry et du Père Koenig. Donc ces mesures sont tout à fait inacceptables dans la mesure où rien n'est prévu pour prévenir le bruit dans l'environnement. Bien au contraire, c'est créer des déserts autour des aéroports. On peut concevoir ces déserts lorsque les aéroports sont en création et qu'il y a peu d'habitation, mais nous sommes sur un bâti existant aujourd'hui. Donc on demande à ce que donc la DGAC revoie ses normes en matière de nuisances sonores, revoit ses normes également en matière d'accès aux pistes, c'est-à-dire les couloirs d'approche. Aujourd'hui, nous propose également, le PPBE propose une innovation actuelle qui s'appelle le RNAV. Le RNAV propose simplement de remplacer les équipements de navigation au sol qui servaient à la radionavigation, comme les VOR et les ILS, par un appareil de navigation embarquée basée sur des GPS, donc un système totalement satellitaire qui a montré ses preuves et qui équipe presque la totalité des avions commerciaux et privés. Mais si le RNAV est une avancée importante dans la mesure où il ne s'appuie plus sur les installations au sol, celle-ci deviendrait donc accessoire, en tout cas des équipements de secours, toute la circulation aérienne serait basée sur la RNAV.
Le RNAV permet simplement à tous les appareils de gagner en direct l'ensemble des pistes. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre, avec s'il n'y a pas de la part de la DGAC sur les règlements d'accès aux pistes, donc on peut voir effectivement des appareils s'égarer un petit peu sur ces couloirs d'approche et arriver en direct. Le seul bénéfice qu'il y ait avec le RNAV, c'est que les appareils ne sont plus obligés de passer d'un point à l'autre en faisant des paliers. Et ces paliers sont extrêmement coûteux à la fois en carburant, également en émissions sonores, ce qui permet aux avions maintenant de faire des approches en continu. Voilà les différents éléments. Vous avez la délibération qui vous a été proposée en projet. Et donc, si vous avez des questions ou des interventions, vous avez la parole. Pas d'intervention. Je pense que tout le monde est d'accord sur l'idée de repousser et demander à ce que le PPBE soit revu. Et c'est l'objet de cette motion que nous vous proposons aujourd'hui, donc, à votre vote. Voulez-vous qu'on relise cette délibération? Est-il nécessaire ou pas? Vous l'avez? Non. Monsieur De Vriet. Ah ouais, faut vouloir. Bonsoir à tous et à toutes. Sans tomber dans les cultures inclusives. Nous avons bien reçu les documents que vous nous avez envoyés. Pardon, ça c'est bon là. Alors, oui. Mettez le micro à votre hauteur s'il n'est pas encore assez haut. Pour qu'on vous entende bien et que l'on puisse... Merci, c'est bon. À ce sujet-là, si on pouvait avoir, nous aussi, un micro à nos places, ce serait de nature, à mon avis, à fluidifier les échanges. On pouvait le comprendre que ce ne soit pas le cas, le précédent conseil pris par surprise. Je pense qu'avec le temps, il devait y avoir moyen de trouver un système qui permettait à chacun de disposer d'un micro. Cela étant sur le fond du sujet aujourd'hui, nous aurions souhaité là aussi qu'il puisse y avoir un travail préalable en commission qui aurait permis d'échanger sur les différents aspects de ce dossier qui, vous l'avez souligné, est pour partie politique, mais pour partie extrêmement technique. Et certes, il semble y avoir un déficit profond de communication de la part de l'administration, mais une commission nous aurait permis de discuter avec vous des moyens de suppléer ou de bypasser cette absence de concertation avec nos interlocuteurs qui devraient être habituels de l'aéroport d'Orly ou de la DGAC. Cela fait que pour ma part, je m'abstiendrai sur ce vote. Merci. Donc, la communication sur le PPBE n'est pas de notre fait, c'est le fait de l'administration en charge de l'élaboration de ce projet. Si nous l'avons appris et nous avons pris connaissance de ce projet que de façon très accidentelle, grâce à l'éveil et à la garde du maire de Choisy-le-Roi, M. Didier Gonzalez, qui nous a avertis rapidement, dès qu'il a pu obtenir ce document qui était confidentiel, notamment ce plan que vous voyez, seul lui l'avait vu et il ne figurait pas dans le rapport. La commission de consultation de l'environnement qui a été conviée s'est aussi plaint, ainsi que tous les membres qui en sont titulaires. L'ensemble des maires de l'Essonne ont été rejetés lors de cette commission, d'ailleurs, parce qu'elle ne faisait appel qu'à des titulaires. Moi, je suis, en tant que maire de Vissous, nous étions titulaires à cette commission. Depuis, nous sommes rentrés dans la CPS, donc il n'y a plus qu'un seul titulaire, c'est le maire de Champlan. Moi, je suis son suppléant, et je ne pouvais même pas siéger, même pas assister à la réunion. Donc, il a fallu qu'on fasse une mini
une mini-manifestation dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne pour qu'ils acceptent que nous assistions muets à l'explication sur le PPBE. Voilà. C'est ainsi que l'État conçoit la communication sur un sujet aussi important. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas nous révéler. Et c'est la raison pour laquelle je vous incite non pas à vous abstenir, parce que l'abstention, à mon avis, sur un sujet de cette nature, c'est grave. Il faut soit on est pour, et je ne vois pas pourquoi on serait pour, il faut affirmer fortement et être présent sur la défense des riverains, de leur sécurité et de leur bien-être. Et c'est l'objectif fixé par les directives européennes. Moi, personnellement, je ne m'abstiendrai pas et je voterai pour cette motion et je vous incite à le faire. Y a-t-il d'autres interventions ? Elle peut être aussi positive, hein. Je veux dire que c'est votre opinion et c'est votre ressentiment qui est important. Bien. Madame Corinne Winder. Alors, justement, vous citez le maire de Champlan, donc il y a un petit article dans la revue de la CPS là, qui parle de la pollution sonore et qui indique qu'il y a eu une consultation publique du 19 octobre au 19 décembre 2020 sur ce sujet, et que la CPS a adopté un projet de plan de protection par rapport au bruit. Et quel est le lien avec ça ? Désolé de vous répondre de façon aussi laconique, mais il n'y a pas de lien. Je n'étais pas, si vous voulez, informé de la proposition de la CPS, mais de toutes les façons, elle n'a pas beaucoup d'influence, puisque ce qui est important, c'est ce rapport. C'est ce plan de prévention du bruit de l'environnement est capital dans ses conclusions et ses préconisations. Et dans ses préconisations, des communes qui auparavant n'étaient pas affectées le sont. Alors c'est illogique, puisque nous avons réduit un certain nombre, enfin, il a été réduit grâce au progrès de l'aéronautique et de la navigation également a été réduit, donc la nuisance. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. Le PPBE propose au contraire l'extension des mesures contraignantes. Des communes, par exemple, comme Antony, j'ai eu le maire d'Antony au téléphone pour lui prévenir, peu de temps après avoir été au courant de ce PPBE, il tombait de sa chaise en disant « mais c'est pas possible qu'Antony soit soumis à un PEB ». J'ai dit « mais si, vous allez être soumis à un PEB, notamment sur les zones que vous comptiez urbaniser autour d'Antony Paul ». D'autres communes se trouvent totalement impactées sur donc des zones, sur l'extension déjà du secteur C, qui est très important, sur Massy, également sur Nozay, sur d'autres communes. Et puis il y a aussi la dévalorisation des biens. Donc on ne peut pas faire ce genre de choses de cette façon-là. C'est le procédé déjà que je dénonce. On ne peut pas profiter, si vous voulez, de la crise sanitaire actuellement et également des moyens. L'État a les moyens de communiquer quand il le veut. Et aujourd'hui, il ne communique pas et on nous présente un dossier vraiment au dernier moment, mal ficelé, ne tenant pas compte des mesures de bruit qui ont été faites. Elles sont trop anciennes, elles ne correspondent pas à la réalité. Et également, donc, il y a des demandes des riverains qui sont aussi à prendre en compte, qui ne sont pas du tout pris en compte. Voilà ce que je voulais dire, Madame Corinne Winder. Et donc, en fait, le rapport, la proposition de la CPS n'a eu aucune espèce d'influence là-dessus. Je me donne la parole. J'ai une question à vous poser, Monsieur le maire, concernant une contradiction entre ce PPBE, qui est relativement récent, et ce qu'on a voté l'année dernière, et pas qu'à Vissous, dans plusieurs communes, qui est le
projet partenarial d'aménagement d'Île-de-France du Grand Orly, où là, la commune de Vissous et encore beaucoup plus la commune de Chilly-Mazarin devaient construire un certain nombre de logements qui, évidemment, par ce PBBE, s'il était adopté, c'est une contradiction flagrante. Effectivement, on a des contradictions évidentes, notamment il y a un PPBE qui a été voté aussi par la métropole du Grand Paris et qui est en contradiction complète avec le PPBE actuellement. Donc c'était un point qui a été souligné. Il n'y a aucune concordance entre les différentes études et les différentes conclusions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très étonné d'avoir à émettre un avis sur un document qui n'aurait jamais dû exister, en tout cas qui est à revoir. Nous sommes déjà en 2021. Si aujourd'hui ce PPBE devait aboutir à des conclusions nocives sur nos PEB, elle serait revue en 2025, c'est-à-dire on appliquerait ces mesures que pendant une période de 2 ans, 3 ans. Donc aujourd'hui, on demande le retrait simplement du PPBE, de figer la situation telle qu'elle est à l'heure actuelle, de repréparer donc le PPBE dans une concertation publique, faisant appel à l'ensemble des intervenants et en les écoutant et en prenant compte aussi des nouvelles technologies qui y est. On n'a pas parlé aussi du zéro carbone pour les avions. Il y a aussi, ça fait partie des options que doit aussi traiter le PPBE. Voilà, on pourrait envisager d'autres sujets non évoqués. En tout cas, ce document est parfaitement flou. Il ne traite pas les différents sujets. Il y a une volonté de la DGAC qui semble évidente, c'est de vouloir intensifier le trafic sur notre aéroport au détriment donc des riverains habitants dans ce secteur. Pourquoi ? Parce que le PPBE sur Roissy a été un échec et par conséquent, on essaie de reporter une partie du trafic aérien sur notre territoire, ce qui est inadmissible. Voilà ce que j'avais à vous dire. S'il n'y a pas d'autres interventions, merci, monsieur. Alors, nous allons passer au vote. Qui est contre la motion ? Qui s'abstient sur la motion ? Donc, monsieur De Fruyt, madame Portman, madame Corvinder et madame Barbeau. Et monsieur Vigneau. Monsieur le maire, questions diverses. Bon, je n'avais pas prévu de questions diverses, donc c'était un conseil qui complétait le conseil précédent sur cette motion. Donc il n'y aura pas de questions diverses, et donc le seul point qui était à l'ordre du jour ayant été vu, l'ordre du jour étant épuisé. Donc je vous propose de clore le conseil. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Le prochain conseil, comme nous l'avions prévu en avril, le conseil de ce soir était un conseil exceptionnel, pour donc voter cette motion afin qu'elle soit prise en compte dans les délais nécessaires. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Merci.